primitive de x cube sur x plus 1, dx. Alors, vous aurez compris que le domaine x appartenant à R sauf moins 1, parce que moins 1 plus 1 ça fait 0 au dénominateur. Et donc là vous avez le degré, quand le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On fait la division, division euclidienne. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire directement. Mais avant ça, je trace la fonction x cube sur x plus 1. Vous avez une racine. Bon, attention qu'elle est définie dans R, hein. Parce qu'ici on ne voit qu'une partie. Voilà, l'autre partie elle est là-bas. Vous avez avec on a un extrémum là-bas. On a un minimum. Le B c'est un minimum local. Un minimum local. Et alors, le point A. Point 0,0 est un point d'inflexion parce qu'on a un changement de concavité. Point C, qui est le point A. Alors C, c'est l'intersection 0,0 et A, c'est les racines. Je m'excuse, donc le point A et C, c'est le même point. Et donc ce même point-là, A et C, qui est le 0,0, est un point d'inflexion parce que la concavité est tournée vers le bas pour le côté gauche et le côté droit, la concavité est tournée vers le haut. Et donc on a un changement de concavité, donc c'est un point d'inflexion. Par contre, le point B, c'est un minimum local. C'est un minimum local. Alors, je vais faire la division euclidienne. De x cube par x plus 1. Bon, il y va. Si je mets au carré, ça fait x cube. X cube moins x cube moins x carré. Ça fait 0x cube moins x carré. Là, je vais mettre, je vais avoir plus x carré pour avoir 0x carré, et là pour avoir x carré, je vais mettre un x moins x, ça fait plus x moins x, ça fait moins x, ça fait plus x carré, moins x fois 1 moins x, là on a plus x, je descends plus x, puis je vais mettre 1 fois x. Fait x, je mets plus pour avoir un moins x plus 1 moins 1, donc il reste moins 1. Donc on a bien sûr le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Sauf que le reste il vaut moins 1, donc j'aurai dividende sur le diviseur est égal à au quotient fois le diviseur divisé par le diviseur plus le reste divisé par le diviseur. En d'autres termes, dividende divisé par le diviseur est égal à au quotient plus le reste divisé par le diviseur. Alors, le dividende divisé par le diviseur, c'est x cube sur x plus 1. Le quotient, c'est x carré moins x plus 1 plus moins 1 sur x plus 1. Alors, on va voir par géogébra, division de f par g.
J'ai complètement raté mon coup. Mais c'est bon. C'est x carré moins x plus 1. Reste, c'est moins ça. C'est bon. Tout est bon. Bon. Donc il suffit d'aller chercher ceci et de primitiver ça. Primitive de x cube sur x plus 1 différentiel de x est égal à la primitive de ceci dx est égal à la primitive de x carré dx moins la primitive de x dx plus 1 dx, en primitivé bien sûr, moins la primitive de dx sur x plus 1. Bon. Alors il suffit d'additionner 1, ici c'est x3 sur 3, moins x carré sur 2, plus x, moins la ln de x plus 1 plus k. On va vérifier par GeoGebra. Intégrale de. Bon, il faut qu'il monte la fonction parce que sinon, je ne vais pas le faire. H. Intégrale de H. Bon. Par contre. X cube sur 3, je l'ai. Moins 1 demi x carré, je l'ai. Moins 1 demi x carré, je l'ai. Plus x, je l'ai. Moins ln de x, valeur absolue de x plus 1, j'ai tout. Tout est bon. Je vous remercie.